à l'aéroport de Beyrouth, c'est comme si Nasmi venait récupérer un colis. Là, ils vont nous appeler. Comme une vingtaine d'autres employeurs, il attend sa nouvelle domestique. Derrière cette porte, des jeunes femmes venues d'Éthiopie, du Cameroun ou des Philippines attendent d'être appelées pour passer la douane. Celle qui vient travailler chez Nasmi est cette jeune fille au foulard rose. Elle s'appelle Mara, elle est éthiopienne et a 20 ans. Son patron ne la connaît pas encore, mais il en parle comme d'une marchandise. Quand on va au marché acheter une pastèque, est-ce que vous savez ce qu'il y a à l'intérieur? Non. Quand vous la coupez, elle est rouge, blanche ou rose? Blanche, on ne peut pas la manger. Rose, elle n'est pas bonne. Rouge, elle est bonne. À peine arrivée, Nasmi lui confisque son passeport. C'est bien Meken Mara. Il est désormais son garant aux yeux de la loi et aura tous les droits sur elle. Son nom est d'ailleurs inscrit sur le passeport de Mara. Il le gardera durant tout le séjour de la petite Éthiopienne au Liban. Elle ne pourra sortir du territoire qu'avec son aval. Dans la famille de Nasmi, tout le monde attend l'arrivée de la petite nouvelle. Et l'accueil est pour le moins glacial. Tu t'attendais à un top modèle? Son visage est acceptable, non? Elle a des cheveux? Enlève ton foulard. Oui, c'est bien. Enlève. Elle ne te comprend pas. Enlève, enlève qu'on voit tes cheveux. Non, mais vraiment, Nasmi. Mon Dieu, elle est très moche. Le bébé. Comment va réagir le bébé dont elle va s'occuper? La jeune femme ne comprend pas ce qui se dit autour d'elle, car elle ne parle ni l'anglais, ni l'arabe. Et sans ménager son intimité, ses affaires personnelles sont déballées au vu de tous. Des habits, à manger. Elle est nouvelle, donc elle ne sait pas. Les habits, c'est moi qui vais te les donner. Puis, c'est le passage obligé de la douche et du shampoing anti-poux. Il n'est pas dit que Mara en ait, mais la famille considère cela comme une formalité préventive. Bien, Mara, ça va? Douche, bien? Tout va bien? Sans plus tarder, Mara commence son apprentissage. Première leçon, comment faire la vaisselle. Tu fais comme ça.